Il y a différentes choses. Il y a le côté sportif, évidemment. D'abord, la première chose, savoir si il y a des joueurs qui sont voilà, plus pertinents de faire jouer et d'autres de couper. Puis après, il y a l'élément physique. Donc sportivement, c'est aussi les joueurs qui ont été par rapport à la prestation de mardi. Et puis après, il y a le côté physique où on va être sur le troisième match. C'est le troisième match où il y a le plus de risques de blessures. Hein, sur un enchaînement de trois, c'est le troisième. Alors, je ne parle pas du quatrième parce que nous, on va être même droit à un quatrième. Mais en tout cas, là, dans la chronologie des blessures, c'est ce match-là où il y a le plus de risques. Donc après, il y a encore une fois une discussion avec les joueurs, il y a le ressenti du staff, technique médicale, et puis voilà. Donc, mais dans l'ensemble, je trouve que ça va bien. Je trouve qu'au niveau athlétique, c'est bien. Les joueurs sont plutôt dans de bonnes dispositions au jour d'aujourd'hui. Maintenant, on va attendre encore un petit peu demain. Ouais, c'est une équipe qui a très très bien débuté, qui est très performante notamment chez elle. Voilà, qui a l'année dernière lutté pour le maintien, mais qui a réussi à rester dans cette division. Et derrière, bah, voilà, elle a dû servir de ça aussi. Ça ressemble un petit peu à Pau, puisque c'est des débuts de championnat qui sont très bons. Ils ont pris beaucoup de points. Voilà, donc bah, on sait que ça va être un match qui est toujours. Rodez, c'est toujours un endroit où c'est difficile de jouer. Donc à nous d'être d'être costaud, performant. On a réussi à le faire à Amiens, même si ça a été limite. Donc il va falloir encore être plus performant, je pense, pour récupérer quelque chose. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Maintenant, sincèrement, je pense que moi, j'ai jamais fait 4 matchs. Et je pense que très peu de joueurs. Et de toute façon, ça n'existe pas, 4 matchs consécutifs en 11 jours. Donc il y a quand même une interrogation par rapport à ça. Qu'il n'y a pas beaucoup de réponses pour l'instant. C'est juste être. Je suis content d'avoir l'ensemble du groupe quasiment qui est disponible. Après, à nous d'être pertinents. Voilà, de faire les bons choix sur ce prochain match. Ouais, mais pour l'instant, sur le rendu physique, c'est pas si mal quand même. C'est pas si mal. Bon, après, pour l'instant, c'est un ressenti 48 heures après un match. On va voir un petit peu. Il y a le déplacement, il y a encore 48 heures. Oui, il va falloir beaucoup d'énergie parce que, évidemment, la différence entre les équipes, elle est de ce côté-là. Ça fait une semaine qu'eux, ils sont en préparation. Nous, on est en récupération. C'est pas du tout la même chose. C'est un élément qui sera, j'espère qu'on ne va pas trop voir, mais on est un peu, voilà. C'est évident que c'est. Puis nous, c'est le troisième match. C'est pas la même chose. Pau, ils étaient à égalité avec nous de ce côté-là, puisqu'ils avaient joué aussi samedi. Là, il y a un écart entre les deux équipes, mais c'est comme ça. C'est l'effet d'une saison.